toujours de Flaubert, je ne pense pas l'avoir déjà dit, les 30 pages, du cœur simple lui ont coûté 900 heures de travail. Ouais, c'était un immense travailleur. 900 heures sur 30 pages. Donc chaque page, il a fait 30 heures. Chaque page lui coûtait 30 heures. Comment c'est possible? C'est toujours l'exemple de... Oui. Alors vous allez nous lire le titre. Au hasard, tiré de « Cœur qui, comme le mien, ira décoloré parmi les fleurs ». Nous sommes le 30 mai 2014. Au hasard, c'est un recueil inédit qui vient d'être terminé et dactylographié tout récemment. « Chasseur d'absolu ». L'amulette, si finement, s'est lovée parmi le plus petit réduit que le corps a trouvé. On ne l'imagine pas collée aux cavernes du cœur. On n'a fait que la deviner ici et là. Comme limace qui s'insinuait partout et le tracé d'argent laissé derrière ça prouvera-t-il qu'Ama existait. Même la plus merveilleuse poésie prouvera-t-elle que dans le corps il y a encore mieux que le corps. Est-ce si délicate courtoisie d'allusivement dessiner l'oiseau qui, dans l'âme, couverait l'idée de Dieu et la patience parfumée qu'on avait d'observer l'indice si ténu? N'était-ce pas déjà qu'on était subverti par l'invisible et aussi l'indisible miroité, le chiffré qu'à chaque coin de rue l'on devinait? Ô patricienne vie, qu'on avait de pouvoir s'occuper ainsi de tout cela. Un deuxième et dernier, simplement, sur l'avenir de l'humanité qui est très préoccupant et qu'on ne parle surtout pas de pessimisme ou d'optimisme, n'est-ce pas? Ce sont des données scientifiques, ce n'est pas une nouvelle religion, hélas. Ce n'est pas de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de la certitude. La menace écologique, industrielle et bancaire sur le globe entier. Ah, l'humanité, miroiteuse destinée, n'avoir pas eu d'enfant, quel dommage, ma foi, c'était vachement perdition. Et pourquoi revenir là-dessus? Le coincement m'a clairement coincé. À présent, il était trop tard. Puissance va s'évaporer. Combien de queues n'ont-elles donné le fruit qu'on attendrait? Même les curés n'ont pas d'enfants. Ils n'en font peut-être pas cinéma ni tragédie. Ô mortelle randonnée, quoi donc le tombeau fera? Va-t-il produire l'archange qu'on verrait poindre là-bas son épaule mordorée? Quel opéra mundi s'abattre sur l'horizon
quel merveilleux climat sauverait l'humanité farfelue. Ah, l'humanité s'est elle-même condamnée, noyautée, fabriquant la mort absolue. Elle va chimiquement crever. Tous les médias ne parlent plus que de ça. Voilà.